Bonjour les amis, aujourd'hui l'expression les carottes sont cuites. Tout est perdu, il n'y a plus rien à faire. Lorsqu'on constate qu'une situation est désespérée, qu'il n'y a vraiment plus aucun moyen de sauver quoi que ce soit, on peut dire que les carottes sont cuites. La carotte, du grec caronton, est consommée en France depuis le Moyen Âge. Elle n'a d'ailleurs pas une excellente réputation, puisqu'on la considère plutôt comme une nourriture de pauvres, au point qu'on trouve au XVIIe siècle l'expression ne vivre que de carottes, pour vivre pauvrement avec des petits moyens. Quant à l'expression les carottes sont cuites, on la trouve à la fin du XIXe siècle sous la forme avoir ses carottes cuites, qui signifie être à l'agonie, n'en avoir plus pour très longtemps. On ne sait pas trop comment cette formule est apparue, ni pourquoi les carottes se sont ainsi trouvées associées à l'idée de mort imminente. Mais c'est dès là qu'a dérivé notre expression, les carottes sont cuites, pour dire c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Notons que dans l'argot du XVIIIe siècle, carotter signifie jouer de toute petite mise, puis par extension, voler des petites sommes, faire des menus larcins. Les amis, je sais pas pour vous, mais pour moi, les carottes sont cuites! Tchuss!